pour ce nouveau vlog pour l'épisode 6 des vlogs à Porto. Et là il est à peu près 5h55 et on attend le Uber qui arrive dans 2-3 minutes et on s'en va vers la gare pour Lisbonne. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, moins de 3h, je vous mets les extraits du pourquoi du comment. Ça va être une pure soirée. Et en route vers la gare. Mélanie, elle nous attend, je crois. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Le monsieur s'embrouille avec un ours ou... Ah, mais il y a quelqu'un dans l'ours en fait. Oula, ouais, ça a l'air un petit peu chaud comme discussion. Ah, il nous a fait filmer, c'est un peu gênant. En fait, j'ai tellement vu cette place dans mes cours d'histoire géo en portugais que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais je l'ai toujours vue en noir et blanc pratiquement. Sur des photocopies et c'est trop beau, c'est si grand, oh, j'adore. Et du coup juste ici on a le pont du 25 avril donc qui porte la date de la révolution portugaise, qui ressemble un petit peu au pont de San Francisco, et derrière on a le Christ. On souffre, c'est pire que Porto. Je savais que ça montait, mais là, franchement, c'est hard un peu. Bon, étant donné qu'on est venu et qu'on n'a rien prévu du tout, je cherche du coup où faire de belles photos Instagram à Lisbonne. En gros, les coins très touristiques pour les photos, tout ça. Tout à l'heure, voilà, il était bondé. Ah, quelle note sur 10 le tramway? Je pense que c'est pas possible de noter ça. Elle se devrait être retirée comme activité touristique. Franchement, pire expérience, le tramway comme ça, urbain, jamais. Il y avait du monde partout dedans, c'était pas possible. Plus tôt, on a chopé le Covid dedans, on était tous serrés, pire que dans le tram, en heure de pointe pour aller en cours le matin.
à Montpellier. Vraiment, la ligne 1 avait, c'était pareil. Mais version miniature. Horrible, vraiment horrible. C'est beau, mais de l'extérieur, pas dedans. Ça nous a évité plus de 30 minutes de marche. Mais en tout cas, pendant 10 minutes, on était serré comme pas possible à l'intérieur. Du coup, on a mal partout à force de marcher. On a mal aux jambes, on a mal aux pieds, on a mal à l'épaule avec les sacs. Horrible, on est morte. Mais bon, 3 heures de sommeil, on a un petit peu abusé aussi. Et c'est pire que Porto ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est waouh, c'est hâte de voir le nombre de pas qu'on a fait aujourd'hui.